Alexandre Benalla a viré par les Macron, le garde du corps a retrouvé du travail auprès d'une star de télé-réalité. L'inactivité professionnelle / très peu pour Alexandre Benalla. Après des semaines de tourbillon médiatique dans lequel l'homme à tout faire d'Emmanuel Macron était engouffré suite à une vidéo relayée par les médias le montrant en plein acte de violence face à des manifestants le 1er mai, il semblerait que le jeune homme ait trouvé un nouveau contrat. Licencié par l'Élysée à la suite de la débâcle, Alexandre Benalla est désormais de retour sur le marché du travail. Cette fois pour une cliente aux antipodes de la présidence de la République. Terminées les manifestations stressantes et les sorties officielles du couple le plus protégé de France. Désormais, le père de famille s'attellera à expérimenter les affres d'un univers beaucoup plus glamour. En effet, c'est pour l'animatrice et ex-candidate de télé-réalité Ayoub Noor que l'ancien bras droit d'Emmanuel Macron s'offre une nouvelle vie, loin de la politique et de la haute hiérarchie policière, à qui l'homme de 26 ans en veut beaucoup. Mais que peut donc faire l'homme le plus médiatisé de ces dernières semaines aux côtés de l'une des figures emblématiques de la télé-réalité française? Selon les informations de Public, Alexandre Benalla accompagnerait désormais la starlette et son fils Ivan dans tous leurs déplacements, et aurait été aperçu le 30 juillet à l'aéroport du Bourget en direction de Marrakech. Une reconversion professionnelle très surprenante pour celui qui se déclarait il y a quelques jours victime d'un complot.